Salut Sylvain. Salut. Tu peux-tu nous compter? Ben toi, tu travailles avec? Transport L'Oréal pour mon père. OK. Vous avez combien de camions? Une quinzaine. 15 camions. Et c'est quoi la petite expérience qu'on a eue cette semaine avec ton Hino? Ben, quel modèle? Un Hino, un 258. J'avais un problème, la transmission ne shiftait pas. Elle avait marqué dans le dash E. Okay. Erreur ou je sais pas c'était quoi ce code-là. Ça me disait que le lock-up ne marchait plus dans la transmission. Il y avait une vitesse d'embrayé. Puis le phénomène qui se passait sur la route. Ça ne marchait plus. Le moteur stallait, la transmission stallait le moteur. J'ai été obligé d'aller chercher avec un autre towing. OK. OK. Là, j'ai appelé Luc, le C0 Flow. Il m'a demandé de mettre un traitement dedans. Un nettoyeur, oui. OK. Puis comment tu as procédé? Explique-moi en longueur. OK. J'ai vidé l'huile. J'ai dévissé la plug à l'huile. La panne? La panne. J'ai refermé la panne. J'ai remis 4 litres d'huile, 5 litres d'huile dans le moteur, dans la transmission. Après ça, je suis allé dépluguer ma hose au radiateur pour flusher toute la transmission puis le torque. Tu as starté, huile neuve a passé dans le torque, tu as tout rincé. Oui, quand j'ai vu que ça sortait rose comme l'huile neuve, j'ai arrêté ça là. J'ai tout refermé ça. J'ai tout renflé ça. Là, mon E a disparu, mon P est apparu. Un petit peu. Là, tu as mis le nettoyeur dedans. Oui. Puis tu es parti faire un road test. Oui. Puis pendant le road test, y a-tu stallé? Non, pas tout. Tout s'est mis sa coche. Oui, tout s'est mis sa coche. Sauf que les vitesses avaient de la misère à changer au début, mais plus je roulais, plus que ça s'améliorait là, à cause du nettoyeur. Le temps de le détergent qui fasse sa job. Tu t'es promené combien de temps? 4 heures. 4 heures de temps? Oui. Puis après ça? Je suis revenu, j'ai tout dompé dans l'huile à terre, j'ai remis de l'huile neuve, j'ai changé mon filtreur, puis j'ai retourné sur l'autoroute. Tu as flushé ton torque encore une fois, là. Oui, j'ai refait la même procédure que Les deux fois, l'huile a sorti pas trop belle. C'est ça. Sauf la deuxième fois, j'ai changé le filtreur. Je l'avais pas changé la première fois. OK. J'ai retourné sur l'autoroute, puis j'avais essayé d'effacer le code avec mon ordinateur, ça marchait pas. Fait que là, j'ai retourné sur l'autoroute. Tout a disparu, mon truck s'est mis, check engine éteint, la transmission s'est mis à chuter, mon erreur, tout a disparu. Plus de lumière d'allumée dans le dash, rien. Là. Quelle année ton truck? En 2016. Combien de kilomètres dessus? 507 000 km. D'après toi, tu as sauvé combien d'argent en achetant un petit kit de 50$? Je te dirais 11 000. Hi, c'est le fun ça, hein? Oui. Fait que tu l'aimes-tu, Luc, de Zero Flow? Oui. Merci pour ton témoignage.